Non, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du 8 août 2019, 9h34 heure du Québec. Heureux de vous retrouver vraiment de plus en plus nombreux. Vous vous êtes rendu compte que la chaîne a pris une autre direction, a une autre vocation et franchement, j'ai vraiment beaucoup de messages d'encouragement de, euh, et de gens qui sont vraiment heureux qu'on ait pris cette direction-là. On va parler de l'alimentation, on va parler de l'agriculture, on va parler un peu aussi des changements climatiques indirectement. Qui sont causés par une expansion de ce globalisme et de ce mondialisme et de cette envie qu'on a de manger des fruits exotiques 12 mois par année où on va être obligé d'exploiter des terres chez des, dans, dans, dans des pays étrangers, prendre d'assaut, des en, grandes entreprises vont prendre d'assaut la, la majorité de leurs belles terres pour satisfaire nos besoins à nous. C'est complètement euh, grotesque. On va parler de, naturellement d'alimentation saine, de simplicité, de manger localement. On va parler aussi de l'impact de tout ça dans l'environnement, mais dans nos vies aussi. Avoir une bonne santé, c'est manger simplement. Naturellement, je vais vous donner des recettes. Aujourd'hui, je vais essayer de vous mettre en ligne, de vous donner ma fameuse recette de pâte à pizza que j'avais déjà donnée à l'époque, qui avait un succès bœuf. Vous le savez tous, je suis, chef, je suis chef cuisinier. Je travaille dans la restauration depuis 30 ans, donc j'ai des recettes. Euh, qui sont vraiment euh, uniques et exceptionnelles, que vous ne retrouvez pas dans les magazines. Donc, vous, avez à, à vous, vous allez avoir cette chance-là d'avoir des recettes faciles, simples et goûteuses. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils aussi concernant euh, ce qu'on peut avoir comme ingrédients de base dans une maison, dans une cuisine, dans un garde-manger, et comment c'est important de ne pas trop acheter aussi en grande quantité et d'y aller à petite dose pour avoir toujours des épices ou des herbes ou des aliments frais le plus possible. Il y a des aliments qu'on peut acheter en quantité incroyable quand il y a des promotions, mais il y a d'autres aliments. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète. Maintenant, c'est important de comprendre que manger localement, il n'y a rien de mieux. Puis chacun d'entre nous, dans nos pays respectifs, que ce soit les Français, vous avez une multitude de produits locaux, hein, du terroir. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire venir d'Afrique ou d'autres de pays des fruits, franchement, qui sont complètement inutiles pour notre bien-être et encore moins utiles pour les pauvres populations qu'on va exploiter. <coughs> Au Québec, on a notre, notre lot de produits locaux qui ne se résument pas aux pommes et aux fraises et aux framboises. Il y en a plein qui sont inconnus et il y en a plein qui sont à notre portée. On va essayer de les découvrir aussi. Manger localement, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus sain. Maintenant, comme je vous le disais, c'est important de ne pas trop acheter. On perd tellement d'argent, pensez-y, quand vous êtes, puis moi je le sais, euh, on est une famille de cinq, j'ai trois enfants, souvent on s'emporte, on va faire l'épicerie, on achète toutes sortes de conneries qui souvent vont finir à la poubelle, on a acheté trop de yoga, on a acheté trop de ceci, trop de cela, et c'est perdu. Donc moi je vous conseille d'y aller quand c'est nécessaire de faire une réserve, oui, mais quand ce n'est pas nécessaire, d'y aller petit à petit. Comme ça, d'abord, vous n'allez vous, 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 vous pas épargner plus d'argent en en achetant plus si ça finit aux poubelles. Et dans la restauration, c'est exactement comme ça que les restaurateurs perdent le plus de leur profit. C'est dans le manque de contrôle. Et beaucoup, beaucoup trop d'aliments finissent à la poubelle. Et c'est de l'argent qui finit à la poubelle. C'est comme mettre de l'argent directement à la poubelle. Donc, achetez tout de façon modérée. Retenez vos chevaux, comme on dit. Dans les herbes, les épices, pour avoir toujours la fraîcheur de ces épices et de ces herbes-là, achetez-les en petite quantité. Allez dans des boutiques qui se multiplient où on a du vrac disponible pour vous. Donc, vous pouvez acheter en petite quantité et vous avez toujours la fraîcheur à portée de main. Ça ne vous donne rien d'acheter une livre ou un kilo d'orégano séché. Achetez-le en petite quantité. Même chose pour toutes les autres herbes et les épices. Allez-y aussi en petite quantité pour les céréales. Les céréales vieillissent, les, les céréales vont se rancir et vont attirer aussi euh, des petits verres qu'on retrouve souvent, même dans la farine aussi, quand elle est trop vieillie, des petits verres de farine. Donc, ça finit à la poubelle si vous en achetez en trop grande quantité, à moins que vous, vous ayez vraiment une grande famille et que vous soyez en mesure de passer tout ça facilement et rapidement. Allez-y en petite quantité. Il y a des produits naturellement qui peuvent être achetés en plus grande quantité. Qui ne se perdent pas, hein, comme des pâtes euh, déshydratées, les pâtes alimentaires. Et quand il y a des promotions, ça vaut la peine de se faire une réserve. Quand il y a des promotions aussi sur des produits comme le riz, le riz par exemple, naturellement, qui n'est pas un produit local au Québec, mais qu'on aime beaucoup, on peut se permettre d'en acheter, mais il y a des alternatives aussi. Il y a le riz sauvage qui pousse ici et on peut utiliser en remplacement du riz et qui est vraiment. Très, très bon pour la santé et que moi j'expérimente et qui est aussi bon. On peut aller avec de l'orge perlé, on peut aller avec du quinoa qui pousse au Canada et on peut aller avec du millet, un autre petit grain hein, qui, euh, qui est très bon pour la santé, dans lequel on a cette fameuse, fameuse vitamine B12 et qui, une fois cuit, reste croquant et qui peut remplacer facilement le riz. Donc il y a des alternatives pour manger localement en évitant d'utiliser le riz, qui souvent est d'une qualité médiocre. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas si c'est vraiment du riz. Donc, c'est tout ça qui va être euh, hein, la mission et la source d'informations que vous allez retrouver ici. Donc, quand ce sera le temps de parler du riz et des alternatives, je vous ferai un petit topo là-dessus. Mais là, ce que je voulais juste vous donner comme info, c'était vraiment d'y aller avec... Modération quand vous faites l'épicerie sur certains produits qui vont finir à la poubelle et qui finalement, si vous regardez ce que vous avez dans votre garde-manger, il y a des choses qui sont là depuis longtemps, ben, rachetez-en rachetez -en pas. Parce que ça veut dire qu'on a acheté ça sous le coup d'une impulsion. Et c'est important quand on va faire l'épicerie de se retenir. Regardez ce que vous avez dans le congélateur et qui est là depuis trop longtemps. Ça a été acheté sous le coup de l'impulsion. Donc, l'impulsion est vraiment mauvaise conseillère. C'est beaucoup d'argent qui est là pour rien, qui va finir directement à la poubelle parce que ces produits-là seront trop vieux. Donc, c'est vraiment important de se contrôler. C'est important de commencer aussi dans les allées ou dans les départements où il y a des aliments complets, comme les fruits et légumes. Passez par là en premier, parce que c'est important d'acheter des aliments non transformés, des aliments. Authentique, véridique, que vous allez transformer. Donc, quand vous voulez cuisiner, pensez à aliments complets, non transformés. Allez pas acheter des produits qui sont transformés, sauf naturellement quand il est question euh, de tomates ou sauce tomate ou de coulis de tomates pour faire des sauces. On ne peut pas tous se permettre de faire notre sauce maison, nos tomates maison. On peut enfreindre un peu, mais c'est avec la modération qu'on va le faire. Le plus possible, il faut acheter des aliments qui ne sont pas transformés. On n'a pas tous le temps de faire notre pain, mais quand on a le temps d'acheter un bon pain local avec des aliments dans lesquels les, la liste d'ingrédients dans les, des aliments qu'on connaît et qui sont vraiment euh, limités au minimum, c'est ceux-là qu'on va privilégier. Puis ça va être comme ça pour tous les autres euh, produits. C'est sûr et certain que des fois, une option intéressante au fait de ne pas avoir des légumes frais peuvent être aussi d'acheter des légumes congelés ou vous-même de vous les avoir congelés pendant la saison des légumes locaux. Bon, on pense aux légumes racines, on n'a pas besoin de faire ça, ils sont là. Ils peuvent être conservés presque toute l'année sans aucun problème. Mais quand c'est la saison du brocoli ici au Québec, ben, profitez-en pour vous en garder et vous en préparer et le, le congeler. Pour après ça, l'utiliser dans des plats cuisinés où on demandera du, des légumes, des sautés. Euh, Végétariens ou des sautés asiatiques ou des soupes. Même chose avec euh, le chou-fleur ou même chose avec les asperges québécoises. C'est très facile de les congeler et plusieurs légumes sont facilement congelables. Donc, ce qui pourrait être un investissement très intéressant pour une famille moyenne, c'est d'avoir un petit congélateur tombeau ou horizontal ou vertical dans lequel on pourra conserver les fruits et les légumes locaux, tous congelés et qui pourront être utilisés tout au long de l'automne et de l'hiver jusqu'au printemps suivant. Et ça vous donne l'option d'avoir vraiment quelque chose de frais parce que quand vous les congelez, quand ils sont absolument parfaits, ils conservent toutes leurs propriétés. C'est certain que quand on les réutilise après, l'apparence n'est pas aussi euh, en, euh, attirante que le, le légume ou le fruit euh, qu'on vient de cueillir, mais ça vous donne la possibilité d'avoir entre les mains un produit que vous connaissez, que vous avez même vous-même lavé, préparé et congelé. Donc, vous savez ce à quoi vous avez affaire. Quant aux légumes racines, il n'y a aucun problème pour les conserver dans des endroits secs et frais pendant plusieurs mois, que ce soit les betteraves, la rabiole, le navet, la carotte, la pomme de terre, entre autres. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a des produits locaux comme le quinoa, le riz sauvage, euh, l'orge perlé et. Le millet, qui sont des belles alternatives au riz. Donc, c'est ça qui va être un peu aussi le, la mission de ma chaîne, de mon travail, qui est, qui est, à, à laquelle j'ai redonné une nouvelle vocation. C'est de vraiment aider tous les gens qui veulent s'aider. Et souvent, on a besoin d'un petit encouragement et d'une petite tape dans le dos pour arriver à mettre l'effort, disons, pour prendre la peine de congeler des fruits et des légumes locaux frais parce que vous allez l'apprécier après. Enfin, je vais terminer avec cette histoire là qui nous provient de la France qui est envoyée par un abonné, une invasion de punaise de céréales chez des particuliers. Imaginez-vous, plusieurs habitants de Gros-Grolay ont été envahis par des insectes volants des punaises de céréales. Les bestioles ne sont pas dangereuses pour la santé. Lundi 5 août, plusieurs résidents du chemin de Saint-Hilaire à Groslay, dans le Tarn, ont eu la mauvaise surprise de voir leur terrasse envahie par plusieurs milliers de petits insectes volants. Ce sont des punaises de céréales qui se sont invitées chez ces particuliers. Sur les réseaux sociaux, certains ont publié des photos et des vidéos où les murs sont recouverts de ces bestioles. Ces hétéroptères proviennent des champs de colza environnants. Suite aux moissons, ils ont migré vers les zones habitées. La mairie s'est rapprochée de l'Agence régionale pour la santé pour comprendre ce phénomène. Cette invasion éclair est claire et confinée à un petit périmètre, n'est pas dangereuse, aucun risque sanitaire n'a été observé, personne ne s'est fait piquer, il n'y a pas eu de réaction allergique. Détaille Jean-Pierre ou Jean Thierry, hein, Pujol, le directeur général du service adjoint, le traitement chimique ou les traitements chimiques sont rarement efficaces contre ces insectes. Avec la pluie, mercredi matin, les populations sont en baisse et les punaises devraient disparaître dans les prochains jours. C'est ça la nature, hein? Il y a des insectes. C'est comme lorsqu'on achète des laitues préparées, comme je vous l'ai mentionné hier. Il y en a plusieurs, des fois, qui trouvent des, des insectes, même des grenouilles ou d'autres rongeurs ou animaux de toute espèce. C'est normal, on est dans la nature. C'est certain que ça surprend. La meilleure façon d'éviter tout ça, c'est d'acheter des aliments que vous voyez non emballés, non préparés. Merci. Puis on se retrouve aujourd'hui. Je vous fais cette fameuse resta, recette de pizza de pizzeria, vraiment. Vous n'allez pas en revenir. C'est simple. Une vraie recette de. Une vraie piz, pâte à pizza de pizzeria, il n'y a rien de plus simple. Ça se congèle, ça aussi. Vous en faites plusieurs, vous les congélez en portions individuelles, et vous vous retrouvez avec chez vous une pizza que vous garnirez à votre goût, mais une pâte à pizza digne d'une grande pizzeria. Je vous retrouve avec la pâte à pizza aujourd'hui.